Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Sans journaux, sans rien, sans réclame, elle eut une foule d'amants. Chacun voulait être aimé d'elle, chacun la courtisait. Pourquoi ? C'est que sans être vraiment belle, elle avait un je ne sais quoi. Sa taille était fort ordinaire, ses yeux petits, mais séduisants, son nez retroussé, sa voix claire, ses pieds cambrés et frétillants. Bref, en regardant sa figure, rien ne vous donnait de l'émoi, mais par derrière, sa tournure promettait un je ne sais quoi. Ses amants lui restaient fidèles, c'est elle qui les renvoyait. Elle aimait une ardeur nouvelle, un vieil amour lui déplaisait. Et chacun, le chagrin dans l'âme, de son cœur n'ayant plus l'emploi, disait « Hélas, une autre femme n'aura pas son je ne sais quoi. » Il fallait la voir à la danse, avec son charme sans égal. Par ses mouvements, sa prestance, elle était la reine du bal. Le cavalier lui faisant face devenait tout rouge d'émoi. En levant sa jupe avec grâce, elle montrait son je ne sais quoi. Pardon, disait Monsieur Prudhomme, mais de quoi donc vivait cette dame, menant si grand train de maison, courant de l'opéra au drame, et soupant chaque soir, dit-on. C'est qu'elle était, pourquoi le taire, habile à payer chaque mois, fournisseurs et propriétaires, rien qu'avec son... Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Sans journaux, sans rien, sans réclame, elle eut une foule d'amants. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps.